Si la graine pousse trop vite, elle meurt parce qu'il n'y a encore pas les cyanobactéries. Donc ça demande à peu près une dizaine de jours. Alors, je me trouve à Beaubourg avec une exposition incroyable, Leçon de chausse, de Vinciane Desprez et de Gérard Auray que je viens de rencontrer. Regardez. En fait, c'est suite à une mission de prélèvement avec Gérard Auray et l'équipe de Beaubourg. À Beaubourg même et à la gare de l'Est, ils ont prélevé avec des brosses à dents sous les chaussures des passants, des badauds. Et en fait, ils ont prélevé des micro-organismes. Donc, il y a eu des fougères, il y a même un platane, voilà, qu'ils ont mis ensuite dans des. Ils ont mis en culture ces graines de chausse selon une procédure élaborée par Claude Figuereau, ingénieur botaniste. Voilà, donc des petits proto-paysages surprenants ont émergé. Et en fait, ils sont exposés ici. Donc voilà, c'est absolument merveilleux. Pour reprendre les mots de l'artiste, c'est une compression en fait de l'espace et du temps dans ces petits espaces dédiés. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment passionnant. Je vous invite à venir. L'exposition est jusqu'à 20 juin. Et ensuite, à partir du 25 juin jusqu'au 7 octobre, ce sera au Parc Floral. Donc site du Jardin Botanique de Paris. Et je vous laisse vous connecter au site de Gérard Auray et de suivre les liens en bas dans la description, les liens du site Pompidou, de l'exposition, pour plus d'informations. Merci, à bientôt.